Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Close Combat Meuse 1940 où vous pouvez toujours postuler pour vous engager dans mes armées. Et donc, on va continuer aujourd'hui avec la bataille de Aubigny-les-Potées où tout cela va dépoter. Il fallait que je le fasse, ce jeu de mots, j'y peux rien. Alors, voyons voir. On va nexter. Et donc, il nous manque un tio monsieur ici. Alors, est-ce que j'ai foutu les trucs? Évidemment, c'est de l'autre côté. Alors, ravage. Ok, le bel. C'est le bel qui nous manque. Hop, le bel. Oh, FZ10. Ok. Va y avoir l'opposant, fusil EB. Bon, quand rien. C'est pas des très très dangereux les fusils EB. Le canon de 75 et le canon de 25, oui. Ah, canon de 25 résistance, tiens. Et des corps francs. Évidemment. Alors, il manque personne. Oui, c'est bon. Oui, bah... que voulez-vous que je vous dise? Allons-y. Allons-y gaiement. Alors... QG ici. Infanterie ici. MG ici. Mène du pot ici. Canon de 105 ici. Ah tiens, il y a l'Eviat. Ah bah si, allez vite, bah oui, il y a Knapik du coup. Bah restez là, vous deux. Là et là. Iron Mickey, ouais. Et le bel, hop là. Hop. Putain, ce que c'est long. De ce que c'est long. Oula, il y en a du monde ici. Hop, défense par là. Pas, oui, par là, pourquoi pas. Alors du coup, toi tu vas... Non, tu vas rester là. Ah, mais c'est pas un bâtiment à étage du coup. Peut-être que vous serez bloqué par le truc. Ok, j'ai oublié quelqu'un. Non, on peut y aller. C'est parti. Allez, hop, on va sneak. Ah bah ça, c'était pas la chose la plus intelligente à faire, hein, les mecs. Hop. Là, il y a une tranchée. Il y a sûrement des Français. Ok. Allez, on avance. Oh, one shot. Ça vous apprendra à me tirer dessus. Uli. C'est parti. Ravage, soutien, t'es un QG. Mène du pot. Go, go, go. Allez, c'est parti. Où il est mon petit panzerin? Pascal, allez, vas-y. Pourquoi tu leur tires pas dessus, Pascal? Ouais, non, c'est bon, défends. Je crois qu'ils ont eu leur dose. Pourquoi vous leur tirez? Ah, d'accord, il s'est rendu, ouais. Hop. D'accord, génial. Ah, tu vas move fast alors, hein. Iron Mickey, t'as vraiment pas de bol, dis donc.
Encore ? Mais vous en voulez, vous ? Ok, ça a pas marché, là. Hop. Ouais, vous, à la place de vous glander, là. Hop. Et... hop, viens par là. Génial. Merde. Non, 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 les mecs, qu'est-ce que je vous ai dit? Plus vous courez vite, plus vous avez de chance d'éviter les balles. Ok, bon, tu peux pas... Alors qui va ouf. Il me manque de l'infanterie là, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont pas là où ils devraient être. Pourquoi est-ce qu'on voit pas le canon? Le canon, je suis sûr qu'il est quelque part par là. Parce qu'ils ont tiré sur Pascal. Mais on le voit pas. Ceci n'est point normal. Ah merde. Ils ont fini par t'avoir, le bel. Ah tiens, ça c'est peut-être le truc du canon, ça. Ouli, bordel, rentre. Qu'est-ce que tu fais là, Mène Dupont? T'étais pas censé aller là, toi? Et vous? Bah, elle est là, hein, contournée, hein, que voulez-vous que je vous dise? Ensuite, Léviat, défend. Quoi? Il y a encore du monde là-dedans. Ah ok, bon, il y a des Français aussi ici. Chiotte de chiotte. Du coup on va... Bah non, on va pas faire les réserves parce qu'apparemment ils sont occupés. Bon, comment ça me fait chier, hein? Ah bah oui, il est effectivement là. Alors, est-ce que tu pourrais l'avoir d'ici, Mène Dupont? Je suis pas sûr. Tu peux toujours essayer. Espérant que tu te fasses pas flanquer par ceux qui sont là. On peut avancer relativement en sécurité ici, je pense. T'auras pas de tir à partir d'ici, non? Il fallait pas rêver non plus, hein. Ah, puis qui c'est qui m'a tiré dessus, là, bordel? Ça vient de où? Le pire, c'est qu'on le voit pas, quoi. Mmh.
Ah bah ça y est, on le voit. Ah, par contre, toi, tu peux pas lui tirer dessus, dommage. Ok, on va l'avoir ce putain de 75 à la con. Vous défendez par là. Alors, c'est vrai que je gère pas du tout les fronts là. Enfin, je gère uniquement le centre à peu près. Vous allez l'avoir ce putain de 75 à la con, ouais. What the... Non, c'est bon, c'était le truc de label. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir cela, quoi? M'en occuper, tu vois. Voilà. Ensuite, ici, il est toujours pas abandonné ou je sais pas quoi. Non, toujours pas. Ça, ça a du mal dans les tirs. Hein. Wow. Alors, on va tenter une percée. Je commence à manquer d'infanterie, moi. C'est grave. Quoi? What? C'était quoi ça? Qui a tiré dessus? Nous sommes mitraillés. Bonne question. Il y a des choses qui m'échappent. Non mais rentrez, vous pouvez pas passer par-dessus la barrière. Putain, ce 75, vous allez l'avoir, oui. Knapik, t'es où? Avance par là. Avancez par là. Et vous êtes pas capable de lui tirer dessus? Bah si, bah alors tirez lui dessus, bordel. Putain, je perds beaucoup de bons éléments, c'est chiant. Il veut pas crever. Ça m'embête tout ça. Les vieilles de carottes qui décident de faire un truc à la fin, ok. Le moral s'est effondré, c'est pour ça qu'on a gagné. Génial. Mais on a perdu 3 véhicules et 2 chars endommagés. Oh yeah. Tandis qu'on a perdu le 25, mais on n'a pas perdu le 75. Fuck that shit. Évidemment, comme vous me connaissez, on n'a pas pris tous les points. Évidemment, ça aurait été trop simple, voyons. Il n'y a plus de suspense sinon. Bref, on a fait 20 morts. 19 blessés graves, 1 prisonnier et 1 canon endommagé. Nous on a eu 3 morts, 9 blessés graves, 3 véhicules détruits totalement et 2 endommagés. Alors voyons voir qui a fait quoi. Ok, Pascal, t'as fait 6 morts. T'as eu de la chance de pas crever avec le 75 parce que... Wow. Kirky, 5. Captain Samurai, 2. Armiz, 4. Ravage, 3. Uli, 2. Mène du pot 2. Comment ça, cette troupe-là n'a pas été renommée? Bah si, pourtant on avait bien renommé tout le monde. Ok, j'ai encore dû passer quelque chose. Léviat en a fait 7. Dupidupa 3. Ah bah Dupidupa, enfin avec ton canon de 37, tu arrives à faire quelque chose. Iron Mikin n'a rien fait et le Bell a fait 1 kill. Alors qui c'est qui nous a fait le plus mal? Non. Voltigeur, ouais. Ouais. Apparemment, c'est le mortier. Et le canon de 75. Qui nous en fait le plus mal. Le plus, beaucoup plus mal. Bon, ben. Obini les potés, ce sera pour la prochaine bataille. Enfin, pour le prochain.
Pour le prochain engagement qu'on l'aura sûrement, hein. Et donc là, on va se faire Suni. Suni, une map qu'on n'a pas encore faite. Contre une division légère de cavalerie qui n'a plus de carburant. Donc normalement, ces véhicules devraient pas bouger des masses. Voyons voir la map. C'est nous qui attaquons. Donc, à part si ils sont tout prêts, on devrait pas rencontrer les véhicules tout de suite, tout de suite. Et nous, on a quoi? Des Panzer 3, Panzer 4, 2, etc. Combien on a? On a un Panzer 3 en réserve, tu parles. Un Panzer 4 en réserve, 3 Panzer 2. Ça va faire mal. SDKFZ6 avec Flak 37. Des packs. Panzer 3 chef de char. Mouais. Et en face. En face, on a du lourd quand même, on a des dragons. Ça va pas être ce qu'il y a de plus évident, moi je vous le dis, hein, je vous le dis tout de suite. La bataille de Suni, première bataille de Suni, il risque d'être assez costaud quand même. Sachant que déjà, face à des troupes normales, on n'y arrive pas. Alors face à des troupes un peu plus costauds, ça risque d'être un petit peu plus chaud. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, de liker ou de disliker si vous dislikez, commentez. N'oubliez pas surtout de postuler, de lire la description de la vidéo pour aller sur ma page Facebook ou pour parce que j'y poste beaucoup de news, surtout les prochaines séries, etc. Et je tiens à vous signaler également, pour ceux qui m'écoutent encore, là, parce que je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà arrêté la vidéo, pour ceux qui m'écoutent encore, le projet sur Silas Hunter Guerre Froide 85 a pris un certain retard, a pris une semaine de retard au total, pour le moment. Mais là, je bosse comme un fou, c'est-à-dire que je tourne les épisodes de Close Combat un petit peu plus à l'arrache, je sais pas si ça se sent, tout ça pour essayer de rattraper mon retard sur Silas Hunter. Toute aide est la bienvenue, évidemment, pour des scénarios, etc. Si vous avez une formation dans le cinéma ou dans le documentaire, ou si vous connaissez très bien les trames de documentaire, je prends. Si vous avez des connaissances dans Silas Hunter 4, je prends aussi. Par exemple, dans l'éditeur de mission ou les choses comme ça, je prends. Donc allez sur ma page Facebook, ou alors envoyez-moi un message YouTube, et dites-moi si vous pouvez m'aider. Comme ça, au moins, je pourrais sortir des épisodes à la date prévue, bien que je bosse avec une petite équipe très compétente. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. C'est toujours un plaisir de combattre à vos côtés. Et moi, je vous dis salut à tous.